Alors bonjour ici aux membres de l'association La Colporteuse qui nous prépare un bel événement pour cette fin d'été à Bressuire. Alors nous sommes ici en compagnie l'équipe renforcée et les chevilles ouvrières de cette belle animation et en présence bien sûr de notre animateur référent pour la ville de Bressuire, Sébastien Beaujeau, responsable du service animation événementielle, accompagné de Mathieu et de ses amis qui organisent cet événement. Alors nous avons également le gestuel, alors nous allons vous demander un petit peu qu'est-ce que vous proposez à nos jeunes et nos moins jeunes du reste pour cet événement de demain vendredi, samedi et dimanche dans la prairie du château. Eh bien bonjour, eh bien, nous proposons une petite guinguette éphémère pendant 4 jours, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Et on invite les gens à venir découvrir le chapitre 18 de l'histoire de la colporteuse, c'est-à-dire venir voir l'histoire du petit porteur de bonheur qui a construit cette petite maison il y a bien longtemps et qui l'a fait vivre depuis de nombreuses années. Donc venez découvrir cette histoire et puis venez aussi vous détendre, manger un petit encas de produits locaux, un petit verre, une petite assiette de colporteur, un petit coup de pâté de producteur local. Et puis également plein d'animations, des bulles de savon, des jeux de société, des poèmes, des contes, des concerts. Vendredi soir, il y a un concert à 21h. Vicious Steel, voilà, qui passe, un groupe de Thouars. Dimanche, il y aura de la danse contemporaine aussi, le théâtre du Bocage qui fera des interventions. Voilà, on va revenir un peu au samedi, il y aura des poèmes sous une petite yourte. Également, qu'il y a d'autres, il y aura une sieste électronique et musicale à partir de 14h ou 15h. Voilà, on est par là. Et puis voilà, les petits Dana, les Grands Miro aussi, une association de chichés qui fera des ateliers artistiques. La sauterre de rêve qui fera une découverte des plantes sauvages du château, plantes comestibles. Voilà, et puis surtout de la pelouse pour s'allonger, de la musique à écouter, des chaises pour s'asseoir et puis des gens avec qui discuter. Sous le soleil, couvrez-vous parce que le soir ils annoncent des températures inférieures ou pas, mais couvrez-vous quand même. Voilà, et puis un moment de détente quoi, simplement. Alors l'entrée est gratuite. Alors l'entrée est libre, mais il y aura des petites caisses que vous pourrez trouver sur votre passage. Vous pouvez laisser une petite pièce, un petit billet, un chèque ou un lingot, comme vous voulez, qui permet de participer à la manifestation. D'accord, merci beaucoup Mathieu. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous. Bien sûr, il y aura de la restauration également. Restauration sur place. Oui, d'accord. Nous remercions en tout cas toutes les associations aussi qui participent à l'événement, et plus particulièrement l'association La Colporteuse. Et on se donne rendez-vous tous, Bressuirais, Boquins et visiteurs, dans la prairie du château, dès demain vendredi d'ailleurs, samedi et dimanche. Merci beaucoup et à ce week-end. À ce week-end.